Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon. La coopération entre le Gabon et les États-Unis était bien sûr au menu des échanges. C'est ce que nous rapporte Ali Radjumba de la presse présidentielle. Les questions de sécurité maritime et le prochain sommet États-Unis-Afrique prévu à Washington aux États-Unis ont constitué l'essentiel de la rencontre que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a eue avec le diplomate américain. Nous avons un bon entretien. Nous avons discuté, comme d'habitude, les pleines et étroites relations bilatérales entre les deux pays. Et aussi, nous avons discuté un peu la sécurité maritime et la sécurité régionale. Nous sommes en train de préparer toutes les choses pour le sommet à Washington. Et donc, il y a beaucoup de détails sur les planifications de cet événement-là. Et nous avons le discuté, bien sûr. Au cours de cet entretien, le diplomate américain a fait un tour d'horizon complet de l'actualité de l'heure avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et a également profité de cette rencontre pour saluer les initiatives prises par le chef de l'État pour lutter contre la pauvreté.